bonjour la famille, j'espère que vous portez très bien. Bonjour, bonjour, nous sommes le deuxième jour de la semaine, voilà. C'est ma semaine qui a commencé, jusqu'à dimanche. Haïa, haïa, haïa. Je m'excuse pour toutes ces personnes-là qui m'ont envoyé les messages que j'ai pas répondu, je m'excuse. Et voilà. Je m'excuse pour tous ces clients qui m'ont envoyé l'argent, qui n'ont pas encore été livrés. Voilà, ce n'était pas facile d'avoir le stock de Lily Céline. Donc, j'ai pu les avoir. Donc, d'ici quelques jours là, vous allez recevoir vos colis. Voilà, parce que ma fille avec qui je travaille ici là, voilà, vous connaissez les Indonésiens. C'est des gens que les jours de repos, eux, ils ne blaguent pas. Les jours de repos, ils vont. Et ils vont qu'au village une fois. Voilà, donc voilà. Et puis c'est pas facile pour moi. Voilà. Pas facile. Donc ici là, je travaille avec les Indonésiens. Et puis. Et aussi, il y a aussi ceux qui sont en France. En France, dont j'ai envoyé les colis. Et puis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a tellement retardé. Donc c'est hier que on a reçu les colis de la France. Donc vraiment, je m'excuse pour cela. Donc les Lily Slim sont disponibles, le café de Bornéo c'est disponible, le café de Bornéo pour ceux-là, les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, voilà, le café de Bornéo, voilà, on a ça en stock déjà en France, voilà, on a les Lily Slim, le stock était fini, voilà, le stock était fini, donc voilà, on a le stock en France, voilà, on a le thé pour le diabète. Voilà, déjà en France. On a le thé pour le cancer, déjà en France. Voilà. On a le thé pour perdre du poids. En fait, on les vend jumelés avec le Lily Céline. Donc, vous me contactez pour tous ceux qui ont besoin de ces produits. Voilà. Don't worry, just call me, you know. Yeah. Donc, mon numéro est 23769. Non, c'est orange. 683, ok, 409744. It's my number, my WhatsApp number. Plus 237684. Non, 683409744. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Oui, ce matin on parle de l'envie avant de parler de nos zombies de députés. Quand on vous dit qu'au Cameroun a arrêté de respecter certaines personnes, co-honorables, nanani nanana, les députés sont respectés ailleurs. Mais au Cameroun là, c'est les députés à deux balles. Eux ils ne se soucient que pour eux-mêmes. Ils se soucient pour eux-mêmes. Mais oui, quand quelque chose ne va pas en commun accord avec le peuple, ne va pas en avantage avec le peuple, tu peux dire que je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous êtes avec une seule personne qui est accrochée au pouvoir depuis les années, Paul Biya, votre patron, votre chef. Il est au pouvoir depuis les années. Toi, tu es député de la nation. Mais rien, l'avenir du pays, là, ça ne te concerne pas. Mais tu es élu de la nation. Tu es le député de la nation. Comment tu peux être un député de la nation et que l'avenir du pays, ça ne t'intéresse pas? Tu n'es pas souci. C'est-à-dire que tu n'as pas de souci. Où va ton pays? Tu n'as pas de souci avec l'avenir du pays, les enfants du pays. On est face à une jeunesse amorve, les boutman, intéressé que par la bière. Est-ce qu'ils s'intéressent même? Un pays, mon ami, on est mal barré. Dans un pays où la jeunesse s'intéresse pas à la politique, mon frère, on va droit au mur. On va attendre pendant les années. Dans un pays, nous sommes nombreux sur la toile. Si c'est le Congo, ça. Quelle que soit l'heure que tu as donnée, les gens seront scotchés là. Même si c'est le Congo, ça. Chacun va venir entrer dans le direct, mettre les commentaires. Eh, hey, ma, eh, hey, vraiment, tu parles bien. Tu es une fille honnête. Si c'est le Congo, ça. Non, mon grand, tu es un homme honnête. Vraiment. Alors qu'on est en train de parler de la vie des gens. De la vie des gens. Tout ça, c'est aussi à cause de nous. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Voilà des gens qui vont décider du sort de tous les Camerounais. Mais oui, on va proroger le mandat pour que les mêmes continuent.
Et pour nous, ça ne nous dérange même pas. Un pays normal, les jeunes vont les trouver là-bas à l'Assemblée nationale. Que votre loi là, ça ne passe pas. Vous allez lire leur. Dans un pays normal, ce que les jeunes vont se lever, vous dites que vous pensez même que quoi là même. Vous-même, c'est même qui même là. Et, essayez, voilà. Essayez, tenter. Tenter. Si ton avenir ne t'inquiète pas, mon frère, c'est que tu n'as rien compris. Quand on n'a plus rien à perdre, l'âme ne nous effraie pas. Mais oui, ton avenir, c'est pour toute la vie. Ainsi que même tes enfants. Mais risquer pour un jour peut sauver ton avenir. Risquer pour une heure de temps peut sauver ton avenir. Mais en une heure de temps, les gens peuvent décider pour ton sort. Les gens peuvent décider pour ton sort. Moi, sur le changement, on est là derrière. On est là derrière. On n'est pas intéressé. Regardez, regardez. Nous sommes à quelle heure? Nous sommes à 12h37. Ça veut dire qu'au Cameroun, ou bien en France, il est 6h. Est-ce qu'on s'intéresse à la politique? On ne s'intéresse pas. Et on veut le changement. Mon ami, il n'y a aucun changement si ce n'est pas politique. Parce que c'est le politique qui décide. Oui. C'est le politique qui décide parce que à lui, dans ses mains, vous confiez votre avenir. Vous lui faites confiance. Voilà, ce n'est pas tous les Camerounais qui vont aller représenter le Cameroun dans les organisations internationales partout dans le monde. Non. C'est un seul Camerounais qu'on va élire, qui va nous représenter. Mais on a des gens qui sont là, tout le monde est dans la distraction. Si on parlait de Congo ça maintenant, là, si je dis que je veux clasher maintenant le général Vassero, tout le monde va se lever là. Eh vraiment, Banga Diaspora, ouais, comment tu peux dire comme ça? Tu vas mettre les commentaires, fais comme si tu n'aimes pas. Alors c'est ce que tu aimes. C'est ce que tu aimes. Si c'est le clash maintenant là, chacun va se lever. Si je dis maintenant que je veux clasher longueur, chacun va se lever. Chacun sera connecté. 2000 vues. Les maudits comme ça là. Nous sommes les êtres humains. Fermons la bouche du don. Ça fait ma honte. Les citoyens, quel citoyen? Quel citoyen? Les populations, comme dit souvent Bazero, on ne connaît même pas là où on est même. On ne connaît même pas la valeur de ce que c'est que l'être humain. Si un homme ne se soucie pas de son avenir, ça veut dire qu'il n'est pas un être humain. Il perd sa valeur d'être humain. Un homme qui ne se soucie pas de son avenir, ça veut dire que c'est l'avenir des enfants qui va se soucier. Arrêtez-moi ça, dis non. Arrêtez-moi ça. J'ai souvent dit ça à mes amis. Comme Banga, j'espère. Regarde, arrête-moi ça. Ton mode de vie démontre absolument comment tu traites tes enfants. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça, dis donc. Tu ne te soucies pas de ton avenir toi-même là. Tu penses que c'est les autres que tu vas faire quoi? Si tu ne sais pas habiller tes enfants, tu vas prendre quoi tes enfants? Si tu ne sais pas toi-même t'habiller là, comment tu vas entretenir tes enfants? Voilà. C'est parce que tu aimes ce qui est bien que tu ne peux que léguer cela à tes enfants. Il faut être un égoïste pour manger bien et que ses enfants mangent mal. Il faut être un égoïste sorcier pour être bien habillé, être bien vêtu et que ses enfants sont mal vêtus. Mais oui, c'est clair. Mais c'est clair. Il faut être un sorcier, il faut être un égoïste. Quel est ce pays même là? Alors, quel est ce pays? Sandrine Chamba, comment tu vas? Bonjour. Bonjour. Hein? Ah, c'est les histoires. Bonjour à tous. C'est compliqué quand même, un peuple comme ça. C'est même que peuple ça. Aucune valeur humaine. Voilà les gens qui vont se décider. Et ils vont partir là-bas, ailleurs. Quand on rêve seulement changer la loi. On va militariser toute l'Assemblée nationale. Et malgré tout ça, le peuple va braver à cela. Parce que c'est là-bas qu'on décide pour votre avenir. Voilà des gens qui ne sont même pas 200. Qui vont aller voter. On va aller abroger une loi pour proroger les mandats, pour barrer la voie à l'un de notre candidat, pour lui mettre les bâtons dans les roues. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on va proroger le mandat de ces gens, de ces individus. Ils vont percevoir notre argent pour donner la force à quelqu'un qui nous piétine depuis 42 ans, avec ses amis encore de continuer, de décider de notre sort. Voulant écarter notre candidat à nous, vous voyez. Dans un pays normal, vous pouvez réfléchir. Vous avez vu aux États-Unis, non? Un pays démocratique, non? Ils ont voulu faire tout pour, mon ami, les gens sortent pour Donald Trump. Que non, on va l'arrêter comment? Tu peux tenter. On vous a dit que le pays là, mon ami, les pays, les grands pays que vous comprenez là, on est en paix parce qu'on veut. Parce que chacun peut arrêter sa part d'âme.
Chacun peut sortir. Tu ne touches pas à ma personne. Tu ne touches pas à Donald Trump, vieux. Tu ne touches pas. On fait que la gueule. Il y a des gens qu'on ne touche plus sur la terre. Tu touches là. On gâte. D'ailleurs qu'on gâte tout. Attends, voici l'Indonésie, non? Voilà celui qui va devenir président là en octobre. Il va prendre le pouvoir. Mon ami, quand, pendant les années, il a perdu ici là. Mais attendez. Mais il faut qu'arranger. Tu as vu ça où? Qu'un opposant radical. Hein, il est opposant. Mais on négocie pour lui mettre premier ministre et ministre de la Défense. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Il n'y a pas un petit parti ici là. Même le plus dernier des partis. Quand il a ses partisans prêts à mourir. Parce que c'est l'avenir du pays. C'est l'avenir du peuple camerounais. Nous sommes dans un pays où chacun est dans son coin. Ah, dis donc, ça me sert à quoi? Ça te sert à... Tu vas lire. Les mêmes douaniers seront là-bas tant que les mêmes sont au pouvoir. Les mêmes seront dans les aéroports. C'est les mêmes qui vont passer les normes tant que ça ne change pas. C'est toi qui n'es pas inquiet. Ça ne te dérange même pas. Quand on veut parler, je ne fais pas moi la politique. Petit tintin. Petit tintin. Fais pas la politique. Te voilà toi qui avais l'avenir. Aujourd'hui, c'est toi qui envie l'autre. Parce qu'il est devenu député. Parce qu'il est devenu maire. Toi qui as toutes les qualités que lui. Mais c'est toi qui ne veux pas t'engager. Je n'aime pas moi la politique. La politique va te faire. Ta main pend les yeux de canard, petit imbécile que tu sois. Et que je n'aime pas la politique. Ouf. Déchet. Pouf. Allô, people, de monsieur. Que je n'aime pas la politique. Je n'aime pas la politique. Les gens qui m'énervent. Dis que tu es idiot, tu es bête. Arrête de dire que je n'aime pas la politique. Tu n'aimes pas la politique comment? Comment tu dis que tu n'aimes pas la politique? Quelque chose qu'on n'utilise pas, lequel? Pour t'appauvrir. Pour te tenir toute ta vie. Pour décider sur ton sort. Tu dis que tu n'aimes pas quelque chose que... Que tu le fasses ou pas. Tu es que dedans. Hein? On vous parle, vous ne comprenez pas. Non, maman, nous tous là, on va voir, non? Vous allez voir. Non, papa, nous tous, on va voir. Nous sommes les parents des gens, non? On va voir l'avenir de nos enfants. Envoie nos enfants à l'école. On les envoie pour être les chômeurs. On envoie nos enfants à l'école pour devenir les chômeurs. Donc, on envoie nos enfants à l'école pour être les chômeurs. Voilà les gens qui décident de notre sort. Ils n'ont pas les diplômes de nos enfants. Ils n'ont pas votre diplôme. C'est toi qui te plains au quartier. On se plaint, plaignons-nous. Qu'on se plaint toujours. Plaignons-nous. Qu'on se plaint. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi si on se lève pas? Si nous tous on n'est pas intéressés. N'importe quoi. Payons pas comprendre. Restons là, ne parlons pas. Et là, on pense que le bon Dieu va venir nous changer. Non. Yeah, y'en sera tous. Yeah. Ouais. Et on pense que le monde va se décider comme ça là. Toi, tu t'es levé. Si ta vie va mieux aujourd'hui, c'est pas là, tu t'es levé pour aller te battre. Donc ça dit que tu te délèves pas pour protéger ce que tu as là. On va le prendre. On va le prendre tout doucement. Calmement, avec le temps. Tu as souffert, mais c'est 10 ans pour épargner 100 000 euros. Tu as souffert, ou bien c'est 15 ans pour épargner 200 000 euros. 500 000 euros. Tu vas rentrer au pays. On va le prendre doucement, doucement. Ils ont mis un schéma à terre. Voilà, ils ont mis un schéma à terre. Tu parles à la justice, on te prend l'argent. Il y a la corruption parce que le boss est corrompu. Voilà. Si la corruption continue à perdurer, ça veut dire qu'il y a la complicité de la haute hiérarchie. This is Il y a la corruption parce que le sommet est corrompu. Voilà. Tant que le sommet n'est pas corrompu, il n'y aura jamais la corruption. Jamais. Voilà. Il n'y aura jamais la corruption tant que le sommet n'est pas corrompu. Voilà. Donc si la corruption continue à perdurer, à persister dans un système, ça veut dire que l'ordre vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. On parle aux gens, ils ne vont pas comprendre. Ils sont là concentrés dans les conneries qui n'ont pas de sens. Restons là ensemble. On va lire l'heure.
Ne nous levons pas. Ne nous levons pas. Restons là. Ne nous levons pas. Dis qu'on cherche l'argent. Non, mes enfants ne manquent de rien. Ah, mon frère, tu es encore même plus malheureux. C'est que tu ne connais pas seulement. Tes enfants vont manquer de tout. Parce qu'ils seront la proie de tout le monde. Même toi, mais d'abord, tu vois que tu achètes tout, non? Tu achètes tout, tu payes tout. Tu payes les relations, tu payes tout. Tu achètes tout. Mon ami, fais attention. Tu ne comprends rien. On dit engage-toi, tu refuses. Le monde va changer quand tout le monde va s'intéresser. Voilà, certains ne peuvent pas s'intéresser et d'autres sont cachés derrière dans leur coin. Voilà, ils pensent que les autres vont s'engager et eux, ils vont faire leur vie tranquillement. Mon ami, même ton frère qui s'engage là, le jour qu'il est au sommet et que tu ne t'es pas engagé, tu vas voir, tu seras traité de même comme ceux-là qui étaient les bourreaux du système. Mais oui, c'est comme ça. Tu seras traité de même. Bah, tu ne t'es pas engagé. C'est clair. Nous n'engageons pas. On dit qu'on veut laisser les milliards à nos enfants. Mon ami, laisse ça. Chaque jour, on arrache les biens des enfants, des anciens milliardaires là. On arrache. Voilà. On se mêle même de la succession. On ne vous a rien dit. Voilà. Tant qu'on n'est pas unis en vrai là, tant qu'on fait semblant, d'autres ont le pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors là. Les choses ne peuvent pas changer. Les choses ne peuvent pas changer. Voilà. Le changement, c'est la volonté. Et c'est la manière de faire. Voilà. On doit être un peu prêt. Voilà. Après, on parle. Après, le Camerounais, il se couche, il dort. On décide pour son sort. Voilà. Il s'intéresse rien que quand on parle du Congo, ça. Quand on parle des bêtises. Voilà. Pas des bêtises. Tu vas voir là, les gens sont là, ils regardent comme ça. Là. D'autres sont cachés là derrière la fenêtre du direct. Ils regardent. On est là, on n'est même pas 100. Mais après le direct, tu vas voir qu'on te dit qu'il y a eu, 5000 vues. Il y a eu 3000 vues. Voilà 3000 vues qui étaient là, connectées. C'est ça qui est marrant. 3000 vues étaient là, connectées. Le Camerounais, une place. Voilà pourquoi partout. Nous, on arrive parfois les premiers, on finit dernier. Ah oui. On connaît déclencher la chance. Mais manger alors, profiter alors, les autres viennent profiter à notre place. C'est ça le Camerounais, le typiquement Camerounais. C'est celui-là qui a l'opportunité d'être là où il y a la chance. Mais prends alors, tu provoques la chance. Le temps de manger, tu n'es jamais là. Non, ah, il faut le changement. Engage-toi alors, tu as sensibilisé ta famille. Engage-toi en vrai. Mettons l'argent, poussons. Voilà le conseil de Vassero. Va voir les gens, regardez en Côte d'Ivoire. C'est parce que Ouattara est en train de donner quelque chose, le travail là-bas. On est en train de construire le pays. On se plaint. La manière que le monsieur est en train de travailler. Non, il travaille. Si lui-même il venait là, qu'il restait comme ça sans rien faire. Ah, mon frère, dis-donc, on le dégage. Dis donc, les gars, courageux, dis donc. Peuple ivoirien. Mon frère, dis donc, on laisse ça, dis donc. Peuple ivoirien. En un laps de temps. Les gars, on a connu combien de présidents? Plus de presque 3 présidents. Non, presque. Oui, ils ont connu presque 5 présidents. 5 présidents. En un laps de temps. Presque 5 présidents. Nous, les gens, on passe autant à taper la poitrine. C'est nous qui avons la grosse gueule. On veut tout se comparer aux autres. La faute même, c'est de nous même là. C'est nous. On veut le changement, on veut pas être engagé. On est derrière. Là, le conseil de Vassero, à Marseille l'autre jour. Hein? Alors que les Camerounais sont versés à Marseille là-bas. Mais il n'y a pas quelqu'un là qui va dire qu'il peut aller en boîte de nuit acheter les whisky, les champagnes. Pour avoir le nom. Pour avoir le nom. Et il veut que le système change. Mon ami, ce n'est pas avec l'argent que tu vas protéger tout ce que tu es en train d'avoir au Cameroun là. C'est le système qui protège tes acquis. C'est le système qui protège tes terrains. C'est le système qui dit que quand on veut dégager les gens, déguerpir les gens, on doit dédommager chacun. On dédommage chacun. Voilà. Ce n'est pas les affaires qu'on annule un titre foncier. Après, on donne à l'autre. Une zone verte, c'est une zone verte. Ce n'est pas vendable. Mais oui. On a des amis qui ont acheté 5 terrains. 5 problèmes. C'est-à-dire que quelqu'un achète 5 terrains, 5 litiges. Jusqu'à le 4e l'a amené en prison. J'ai un ami qui a fait la prison à cause de son terrain qu'il a acheté.
puisqu'aujourd'hui n'a pas le terrain. Tu vas voir un gars en diaspora, tu vas dire, mais le gars, si, bah vraiment. Mais on l'a toujours abusé. On l'a abusé. Mon ami, je m'assois ici maintenant, là, je vais à un appartement. Je vais sur Internet. Ta, 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 ta. On me dirige, je m'en vais. Si j'ai l'argent, je dépose. Le lendemain, clé en main. Terminé. Livre connu. Oui, oui, oui. On te respecte. Mais au Cameroun, tu as même l'argent. Ton cœur bat encore. Alors que tu te bats, tu te bats au Cameroun, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Tu as l'argent. Maintenant, c'est le moment d'acheter la maison que tu vois que tes problèmes ont commencé. Tu ne dors plus. Précaution sur précaution. Précaution sur précaution. Celui qu'on appelle le notaire. Le notaire. C'est-à-dire le gardien des biens officiels. Que l'État a décrété. Que c'est toi le gardien. Lui-même, il est complice de il est complice de la narque. C'est-à-dire qu'un notaire est complice de ta mort, de ta chute. Le notaire, le notaire, le notaire. Un peuple noble. Un métier noble. Une fonction de noblesse. Le notaire. Certains sont véreux. Depuis quand? Il y a des personnes qui ont pour donner à quelqu'un, pour confier à quelqu'un. C'est ta moralité. Il faut dépasser. C'est-à-dire qu'il faut être au-dessus du matériel. Et tu vois, certains sont envieux. Un notaire t'abuse. Mon frère, vendez-le. Merci, merci, mon frère. Merci à toi, Yves. Mon frère, il faut laisser ça. Il y a dit, hein? Le voleur existe pour longtemps. Comme j'ai dit tout à l'heure. La corruption existe parce que le sommet est corrompu. Ok? Voilà. Le vendeur de terrain est malhonnête. Pourquoi? Parce qu'on lui donne la chance d'être malhonnête. Et pas fabriquer les titres fonciers. Voilà. Il est en connivence avec le système, avec les notaires, avec les procureurs. On te montre un vendeur de terrain que ça ne fait pas 6 mois qu'il est sorti de la prison. Pour une affaire aussi grave qu'il lui a laissé. Mais c'est un crime. C'est un crime. La cause des guerres de ce monde, c'est la terre. Les problèmes de la terre tuent plus que la maladie sur cette terre. Mais oui, le problème de la terre. Va à la Palestine, Israël, c'est quoi? C'est la terre. Bakassi, affaire Cameroun, Bakassi, Nigeria. Combien sont morts? C'est la terre. C'est la terre. Mais oui, c'est la terre. Le droit de la terre, c'est quelque chose. Ça crée des problèmes. Hein? C'est la terre. Voici ma limite. Toi, tu veux traverser. Tant que quelqu'un se permet de vendre un terrain qui n'appartient pas à quelqu'un d'autre, mais c'est un criminel. Parce que c'est la vie qu'il détruit. Parce que voilà un monsieur qui a pris son argent, 20 millions, elle a acheté quelque chose qu'il ne pourra pas avoir. Il va se construire comment? Dans un monde où il n'y a pas. Où l'État ne veille pas sur l'habitat. L'habitat. Parce que c'est un peuple, mais on est mal barré. Le socle même de la réussite, de la stabilité. Mais attendez, sur la terre, là, c'est avoir un toit d'abord. C'est l'un des plus gros problèmes de ce monde. Avoir un toit, avoir un terrain, avoir une maison. C'est l'un des plus gros problèmes de ce monde. L'un des plus grands challenges de tous les systèmes de ce monde. Mais comment l'État ne protège pas ce domaine-là? Tout ce que tu fais dans ta vie-là, priorité, c'est de construire, acheter un terrain, construire une maison. Mais si l'État n'est pas rigoureux dans ce secteur, mais attendez, vous attendez quoi de ce système-là? Vous pouvez attendre quoi d'un système pareil qui ne protège pas le domaine foncier. Mais oui, vous faites quoi avec ce système-là? Un système qui ne protège pas le domaine foncier. Il y a des gens qui n'ont pas de maison parce que ils ont manqué l'argent. C'est parce qu'on les a abusés. C'est parce qu'on les a abusés. Tu vas voir un gars avec le titre foncier, il te montre, mais le terrain là n'existe pas. Oui, allô? Bonjour.
Non, ça va. Ouais, je t'écoute. Oh. Ouais, je suis en direct, je suis en direct. On fait comme ça, là. Il veut, son problème, c'est quoi? Ok, on fait comme ça alors. Ah, ça franchement, merci, merci à Yves. Yves. On ne veut pas comprendre. On veut un pays qui va. On veut un pays, mes gens. Ça veut la volonté du peuple. Personne ne peut travailler si il y a les yeux des gens sur lui comme ça là. Personne. Personne. Chacun va travailler quand on va ouvrir les yeux, quand chacun aura le droit de regard. Mon ami, tu confies un travail à quelqu'un, tu ne regardes pas, tu ne... Mon ami, tu ne t'intéresses pas, il ne fera rien. Ah oui, il ne fera rien. Ici là, ici là, ici là, tu vois comment celui qui est sur le sol, c'est une équipe. Il y a seulement un qui est là pour prendre les photos. Il y a un qui pour prendre les photos. Le jardinier fait son travail. Il y a un là qui n'est que là pour prendre les photos, pour confirmer que c'est bien, pour noter. On construit les bâtiments au Cameroun. On ne tient pas compte qu'il faut entretenir un jour. Hein, le moment d'entretien, il n'y a même pas où entrer. On conçut comme si c'était la condamnation à mort. Que, comme s'il n'y aura plus de vie. Alors, arrêtez ça, dis donc. Nos pays ressemblent au fétiche. Parce que l'État n'entretient pas. On oublie tout. On dit qu'on a conçu. Mon frère, on laisse ça, dis donc. On laisse. On est mal barré. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Un pays de voleurs comme ça là. Un pays. Nous sommes dirigés par les cartels. Moi tu dis ça. Pas le vrai mot. Nous sommes dirigés par les cartels. Voilà, c'est les cartels qui nous dirigent. Nous sommes dirigés par les cartels. Ils n'ont pitié de personne. Voilà, ils n'ont pitié de personne. Voilà que cette loi va passer. Et puis voilà. Et puis ils auront encore. Et ils s'en foutent. Oh, il est député, nos gars. Voilà. Et méfiez-vous. C'est au prix de l'argent. Hein. Ne croyez pas que c'est seulement parce qu'ils ont 1 million. Mais c'est 1 million 300 000. Mais c'est 1 500 000 par mois. Là. Il y a les malades d'argent qui vont passer. Hein. Il y a les malades d'argent qui vont passer. Mais oui, oui. Ne croyez pas qu'ils vont se lever comme ça là. Voilà. Et voilà, venir dire des choses comme si la loi. D'abord, ils ont la majorité obèse. Ça veut dire que c'est notre argent. On prend ça pour corrompre nos frères qui sont députés. Les députés à deux balles. Et c'est vous que quand nous on parle, non, c'est un député. Il ne vaut rien. Ils ne valent rien, ces gens-là. Tu ne vaux rien, mon frère. Voilà. C'est ta fonction, tu ne joues pas ton rôle. Ça veut dire que tu n'as aucune valeur. Mais oui, on a de la valeur quand on joue son rôle. Ah oui. Tu n'as pas de la valeur quand tu ne joues pas ton rôle. C'est clair. Voilà pourquoi le président Maurice Kamto a de la valeur. Parce qu'il joue son rôle en tant qu'opposant. C'est le seul qui nous reste. C'est le seul qui nous reste. Il ne suit pas seulement de dire que je suis opposant. Mais il est mieux de te désigner. Dis que tu es un proposant, comme avait dit le PCN à son temps par ce qui Fégonde là. C'est qui une soi-disante. L'une des députés aussi a deux balles. Hein? Il est mieux de dire que non. Que tu es là pour proposer. Tu n'es pas un opposant. Un opposant, c'est celui-là que ça ne va pas. On doit sortir. Mais oui, on va même casser. C'est ça, un opposant. Arrêtez ça, dis donc. Il y a quoi dans ce pays-là qu'on ne doit pas casser? Il y a d'abord quoi? Tout est là détruit. Tout. Ça ressemble au fétiche. Quand on dit la vérité, est-ce que peut vanter le Cameroun? Et vois, c'est un petit là, les petits à deux balles. Eh, vraiment, vraiment un grand frère. Choquant. Le pays ne ressemble à rien. Il faut voyager. Voilà. Le pays là ne ressemble à rien. Tu ne peux pas te vanter avec. Tu as vu là, j'ai roulé là. J'ai roulé là. Tu m'as vu entrer dans un trou. Ah, comment il roule depuis là? Mais voici dans un sous-sol. Troisième niveau. Je suis au troisième niveau d'un sous-sol. Parking, troisième niveau. Il y a le signal.
Il y a le signal. Il y a le signal. Il y a la connexion. Pourquoi? Parce qu'on se rassure que là-bas, il y a les êtres humains. Et tout endroit où il y a l'être humain, on doit le construire de manière que les êtres humains doivent en profiter. Tout endroit où il y a les êtres humains, c'est le sous-sol, mais il ne fait pas chaud. On le conçoit en tenant compte des êtres humains. Je ne suis pas sûr que dans un parking au Cameroun, il y a la clim. Ici, là, il y a la climatisation. Ici, il y a la climatisation. Ah oui, ici, c'est climatisé. Il y a la climatisation. Ah oui. Nous sommes dans un pays où tu mets la clim. Tu mets trois clim ici, ça tourne. À la fin du mois, tu apportes la facture. 40 000. Tu Wanda. Même pas 100 dollars. En Indonésie, tu mets la clim. Ça tourne. Tu oublies, tu voyages. Tu fais, j'ai voyagé une fois, j'ai fait 4 jours. La clim là, ça tourne. Boum. Tu rentres fin du mois, 40 000. Tu dis que mais les gens ici là, c'est comment? Ils ont quoi plus que nous? Nous sommes sur la mer, ils sont sur la mer. Ils ont quoi plus que nous? Hein? Tous les noms des départements représentent un fleuve. Mais nous sommes là, on dort dans le noir. Oh, je vis bien. Tu vis bien comment? Qu'on est bien chez soi. Mais on est bien chez soi. Mais si le système ne t'offre pas tout, tu as même l'argent pour payer. Moi, je ne peux pas te servir. Tu as l'argent pour payer la lumière. On ne te sert pas. Tu as l'argent pour faire un abonnement de d'eau. Mais l'eau ne coule pas. Tu as l'argent, oui. Tu as même l'argent pour acheter le lave, pour arranger la devanture, la mauvaise roue là. On te coupe la convocation. Seigneur. Compliqué d'être. Faya Lajo, Faya Lajo. Tu es à Faya Lajo. Tu connais Faya Lajo. Le Cameroun est l'un des pays où tu veux profiter de la vie. Tu as même l'argent. Mais tu ne peux pas. Parce qu'il manque d'infrastructures. Voilà. Des espaces de divertissement. Les seuls vrais endroits au Cameroun qu'on entretient bien, c'est les snaps, c'est les bars, c'est les boîtes de nuit. Voilà. Tu vas aller au Cameroun, tu vas voir des bars, des snaps que tu ne verras même pas à Dubaï. Voilà. Tu vas aller au Cameroun, tu vas voir les boîtes de nuit, les bars, les snaps que tu ne verras pas. Même en Thaïlande, tu ne verras pas. Donc les seuls endroits qu'on aménage au Cameroun, c'est les bars, c'est les snaps. Comme si tout le monde boit l'alcool. Ah oui, tous les jours tu es au garage. C'est ça notre pays. Tous les jours tu es au garage. Tu es au garage. Tous les jours tu es au garage. Voilà. La vie coûte cher au Cameroun. Parce que quand un pays respecte toutes ces conditions de vie là, hein, quand le pays est construit, ça facilite la vie aux citoyens. Tu te lèves le matin, tu démarres ta voiture, tu vas arriver là où tu vas. Tu vas faire ce que tu vas faire et tu vas rentrer à bon port. Tu consommes moins, ta voiture reste neuve. Mais au Cameroun, tu as ta voiture qui est neuve. Après 6 mois, elle ne ressemble plus à rien. Tu te vois toujours en train de dépenser.
en te dépenser sur une voiture. Tu dépenses sur tout. Sur tout au Cameroun, tu dépenses. La pauvre mère cultive son manioc, son macabo. Elle est incapable de sortir du champ avec ses vivres. C'est compliqué. Il y a permis ici. Ah oui. Kassi, juste bon. Dis à Barou d'ici. Oh, déjà ici, là, là. Ok. Hey, Loku, comment ma soeur chérie? Et t'attends à Jakarta, tu viens quand? Loku. Non, 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 comment potom. La mentalité d'Alam. Comment stop machine? You broke it on two, please. Yeah, bagnole là, lagi, dans le penou, gang. Comment, il est bolé penou? Bolé penou? I want penou là. Là, je consomme le jus de canne. J'adore le jus de canne, c'est mon jus préféré. Vous savez que je vends le jus de canne au pays, non? Au Cameroun. On ne se décide pas, rien ne changera. Les mêmes. On croit que c'est Dieu qui va venir nous sauver. Non, non, non. Dieu te donne la vie. Voilà. Il te donne un bon physique. Tu nais avec tes quatre membres. À toi de te battre. C'est tout. Parce que même les infimes se battent. Donc tu attends quoi? Donc Dieu t'a donné la vie. Et tu penses qu'il va venir bagarrer pour toi. Détrompe-toi, mon frère. Voilà. Tu n'as pas affaire à un démon. C'est un être humain comme toi. Voilà. Lui-même là, peut-être. Il a été persécuté hier qu'il voulait être président. Donc toi là, si tu te retrouves dans l'ONDEM, tu traites son fuck up. Tu traites son fuck up. Voilà un monsieur qui fuck up depuis les années. On le laisse faire. Depuis 42 ans. Vous attendez Dieu. Dieu c'est pour tout le monde. Voilà. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Même Satan c'est l'enfant de Dieu. Voilà. Même Satan c'est l'enfant de Dieu. Voilà. Ne croyez pas que Dieu n'aime pas. Dieu aime tout le monde. Mon ami, c'est à toi de te bagarrer pour tes droits. C'est-à-dire que... Show me, please. Ok, thank you. Voilà. J'ai stressé, j'ai trop stressé ces temps-ci là. Avec les bagages que tu envoies, tout ça, les maux de tête. Hein? J'ai trop stressé. Et par la grâce de Dieu, tout va bien. Voilà un bon business. Je vais amener ça au pays. Voilà un bon business. Le business du maïs. Voilà une mammite. Ça rend le maïs frais. Ça rend le maïs frais. Ici, là, eux, ils mélangent avec le cheese, le fromage, avec du beurre et le lait. C'est très bien. C'est très bien dans la bouche. C'est délicieux. Le maïs. Il y avait envoyé la mamie au Cameroun. Donc, c'est un maïs. Donc, voilà, tu achètes le maïs. Tu mets ça à l'intérieur. Ça rend le maïs frais. Voilà. Et quand c'est encore le maïs encore frais, là, c'est encore plus bien. Il y a beaucoup de business, regardez. Pas trop d'espace. On n'a pas besoin d'espace pour réussir. Imana, Kassi. Un pays où tout est compliqué. Le Cameroun.
Ouais, comment on me respecte, non? On dit toujours blase, mister. L'argent n'a pas suffi. Elle me respecte. Mais si c'est chez nous là-bas, on dit monsieur, vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Comme ça, tu chasses le client. L'argent n'a pas suffi. Elle m'interpelle, elle me dit, monsieur, ça ne suffit pas. Alors, avec tout le respect, mais si c'est chez nous là-bas, on va crier sur toi. Mais pendant ce temps, si tu vois un député, tu vas te courber. Tu vas le considérer pour un roi. Alors que c'est toi qui le paie à la fin du mois. Oh. Le respect. Beaucoup ouvrent les activités au pays, mais celle qui gère détruit le business, l'activité. Pourquoi? Parce qu'elle est arrogante, insolente. L'accueil, il n'y a pas. Il n'y a pas d'accueil. Il n'y a pas d'accueil au Cameroun. Ma soeur chérie, Loku, c'est comment? Ah ouais, allô. Toi, je t'appelle, tu ne prends pas le téléphone. Et je te vois connecté. Le monde ici est terrible. Hein? Je te vois connecté. Je t'appelle parce que j'ai une urgence. Toi, tu ne décroches pas. Apprenez à dire que quand vous avez votre gars, pourquoi la femme est comme ça? Hein? Quand un homme avait son gars, il dit que non, je suis à ma femme pour le moment. Voilà. Mais la femme cache. C'est quoi ça? Comment tu peux cacher que tu es avec quelqu'un? Il faut dire que comme tu vois là, je vis avec quelqu'un. Arrêtez de perdre autant aux gens. Mais c'est comment tu es perdu, loco? Comment va la petite? La petite va bien. Non, je vais vous laisser. Hein. Hi, salam alaikum. Je vais vous laisser, je vais vous laisser. On fait comme ça.